Donc aujourd'hui, en fait, l'ordre du jour est essentiellement orienté vers la préparation de cette Assemblée générale. Donc on revoit point par point certains éléments dont on avait déjà évoqué et qui auraient été souhaitables de présenter à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et puis toutes les questions qui peuvent être apparues en cours d'année dernière ou récemment, des problèmes de sécurité, des problèmes de travaux, des problèmes de vie courante sur la copropriété. On y trouve une satisfaction d'apporter des idées, parce que bon, c'est vrai que les gens voient plutôt toujours l'aspect négatif, c'est-à-dire que bon, entre guillemets, des râleurs, il y en a beaucoup. Bon, c'est clair que le fait de participer, de faire avancer les choses, quelque part, c'est satisfaisant, parce qu'on a vraiment l'impression de faire évoluer les choses. On gère un peu l'argent de tout le monde, donc de ne pas faire des dépenses qui paraîtraient pas utiles à tout le monde et on serait critiquable à juste titre. Par contre, trouver des compromis de façon à faire des choses qui satisfassent tout le monde et puis rester dans des zones de budget qui font pas dépasser trop les estimations qui ont été faites sur l'année. Bon, en général, ça se passe bien. C'est une relation qui permet à chacun d'apporter. On n'a pas les mêmes fonctions. Donc nous, on a un rôle consultatif, c'est tout, hein. On ne peut pas décider en soi de faire des choses, sauf vraiment cas exceptionnels, sur des toutes petites actions ponctuelles. Maintenant, c'est clair que, oui, moi je qualifierais d'un rôle complémentaire conseil syndical-syndic.